Oui, vous avez bien lu le titre, je quitte la France. Bon, les gars, aujourd'hui est un jour très spécial, il est 23h30 et demain j'ai un avion à 6h qui décolle direction Montréal parce que je déménage et j'ai l'excellente idée de tout faire au dernier moment. Là, je suis en train d'envoyer les derniers rushs au monteur avant mon départ. C'est absolument pas suffisant parce que j'ai encore plein d'autres trucs à faire. Il y a une miniature pour demain sur laquelle on travaille. Il y a une OP, je crois, qui doit sortir demain, que je viens de terminer. C'est le bordel dans les bureaux et je crois qu'il y a la personne du ménage qui passe pour la première fois demain. Et surtout, il faut que je pack mon matos pour le Québec, en fait, parce que du coup, je pars et je déménage vraiment... pour longtemps quoi. Je sais pas ce que je prends en fait, c'est ça la problématique. J'hésite à prendre genre cette grosse caméra. Après à côté... Oh putain, je fais mal. Aïe, j'ai shooté dans un ordinateur. Il y a Logitech qui m'a offert gentiment cette light que je vais me faire un plaisir de ramener parce que j'ai pas envie d'en racheter une. Là dans le matos vidéo, je vais prendre les petits chargeurs de la petite cam parce que c'est avec ça que je vais potentiellement vlogger. Et c'est le moment où je fais l'OP de Ra, l'opéra. Si, ouais, vous savez, le dieu de la mythologie égyptienne. Oui, bon, écoutez, il faut bien que je trouve des nouvelles blagues à faire. Si vous ne le connaissez pas, Opera One, c'est la nouvelle version du navigateur Opera. Et si je devais choisir un mot pour le décrire, je pense que ce serait ergonomie. Un design retravaillé et plus smooth, que vous pouvez d'ailleurs complètement personnaliser en utilisant des milliers de designs proposés par la communauté. Une IA directement intégrée au navigateur qui viendra vous épauler dès que vous en avez besoin. Et selon moi, une des meilleures fonctionnalités, le Tab Island. C'est une fonctionnalité uniquement disponible chez eux, où vous pouvez énormément gagner en productivité en utilisant leur fonction de rangement des onglets. En gros, en un simple clic, je peux dérouler ou ranger les onglets. Enfin bref, c'est super bien pensé pour les personnes comme moi qui ont toujours 4000 onglets ouverts. Que ce soit pour le travail ou pour le divertissement, Opera est réfléchi pour que vous ayez tout à portée de main. YouTube, Spotify, Twitch, un VPN, WhatsApp, TikTok et beaucoup d'autres sont directement intégrés dans le navigateur. Attends, Fuse, t'as dit VPN? C'est pas censé être payant ça, non? Eh oui! Je pense qu'à ce stade, vous savez tout ce que c'est qu'un VPN. Et ben là, il est directement intégré au navigateur et il est totalement gratuit, tout comme Opera de façon générale d'ailleurs. Avec mon lien en description, vous pouvez télécharger Opera et soutenir la chaîne. Et croyez-moi, il nous aide énormément dans nos projets. Le lien est dans la description. Là, vous êtes sûrement en train de vous poser plein de questions. Pourquoi? Où? Comment? Pourquoi est-ce que tu as renouvelé des bureaux pas plus tard qu'il y a 6 mois alors que tu changes de pays? Toutes ces questions, c'est des questions auxquelles ce vlog est là pour répondre. Bon, alors la première question, c'est où est-ce que je vais? Je pars au Canada, voilà, au Québec. Fun fact, il y a bien 10-15% de mes viewers qui viennent de là-bas. Là, au moment où je règle ça, ça va faire un bon bout de temps, ça va faire un mois et quelques que je suis ici. Et bah, j'ai pu rencontrer pas mal de mes abonnés québécois, donc big up à vous les gars. La deuxième question, c'est évidemment pourquoi? Qu'est-ce que je viens foutre ici au Canada, au Québec? La raison est relativement simple. Ma copine fait un doctorat, elle fait une co-tutelle avec l'université de Montréal, et donc... forcément elle doit venir un an à Montréal. Bon après je vais pas mentir, je suis quand même content de venir. Faut savoir qu'il y a 2 ans on avait fait à peu près la même chose. C'est pour ça que j'habitais une semaine sur deux à Amsterdam. Cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus loin d'Amsterdam. Sauf que je me suis rendu compte en déménageant d'Amsterdam, qui était la première fois où je quittais la ville où j'avais grandi, que en fait en réalité, c'est pas mal en fait ailleurs. Et c'est même peut-être un petit peu mieux que Paris, parce qu'en fait, j'ai toujours été hyper attaché à Paris, jusqu'au moment où j'ai été voir ailleurs, et je me suis dit, ah, en fait, finalement, je comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que tout le monde crache sur Paris. Mais voilà, tout ça pour résumer que ça m'a un petit peu ouvert les yeux, et ça m'a un petit peu donné envie de voir d'autres endroits. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller explorer tant qu'on est jeune, tant qu'on peut, tant qu'on n'a pas tant d'attaches, et surtout, c'est que pour une durée de 1 an. Du coup, là, je me retrouve à Montréal pendant une petite année. Bon les gars, aujourd'hui on va parler des vlogs et de la difficulté qu'on a à faire des épisodes régulièrement. Au moment où je tourne, je sais pas ce qu'a dit Julien et ce que va dire Julien. Du coup, peut-être qu'on va se répéter, peut-être pas du tout. Peut-être qu'on va dire des trucs en contradiction, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Jusqu'à maintenant, on essayait de faire un épisode toutes les 2 semaines où on avait des retards, des petites galères, que ce soit au montage ou des fois même avec des marques. Maintenant, on essaye de faire des vlogs réguliers, donc chaque semaine. Même si il y a eu un petit couac pour le vlog d'avant qui est arrivé 2 semaines après au lieu d'une semaine. Mais bon, on reviendra dessus après. Donc pour ça, il faut évidemment être régulier. Et pour ça... Attends, merde, je répète trop et pour ça.
Donc pour être régulier, on a pris un autre monteur. Non pas que je ne sois pas capable d'être régulier, mais j'ai eu d'autres affectations. Donc je suis toujours responsable des vlogs, mais je ne serai plus le monteur des vlogs. Le vlog d'avant, qui est du coup le numéro 7 sur Rennes, c'était pas moi qui l'ai monté. J'ai en partie des rushs, mais le montage a été fait par un autre monteur. Et à partir de maintenant, en fait, on va essayer de nouvelles choses. Donc ce vlog-là aussi est monté par un autre monteur. Donc en vrai, n'hésitez pas à donner vos retours, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. On va essayer de changer quelques aspects, notamment graphiques et tout. Donc tout ça pour dire, moi je ne monte plus les vlogs. Je reste responsable des vlogs, mais j'ai d'autres affectations. Salut tout le monde, c'est Didier. Non mais filme pas ça. Du coup, faut faire quoi pour se présenter ? À tout le monde, je dis, bah vas-y, présente-toi. Et tout le monde sait qu'il faut dire son prénom, son pseudo. Mon prénom ? Bah, ton pseudo. Ah oui. Est-ce que je gagne une promotion si j'ai la peluche là, pendant mon interview ? C'est pas moi qui te donne la thune. Non, mais je demande à Julien, là je parle avec Julien. Ouais, ça peut être rigolo que je pose des questions à Julien et lui me répond, mais dans les vlogs d'après. Dites dans les commentaires, il y a un sondage si c'est une bonne idée. En fait, non. Du coup, pour le dernier vlog, qui était le vlog sur Rennes, on a eu une petite galère avec un monteur. C'est un monteur avec lequel on s'était mis d'accord pour faire un test sur les vlogs. On lui avait donné, du coup, je lui ai donné toutes les instructions nécessaires, accès à tous les rushs vidéo nécessaires. Donc je lui donne ça un jeudi, on est OK. Je lui envoie un petit message lundi pour savoir s'il avait avancé ou quoi. Il me dit non, machin... problème de paperasse, bon ok, pourquoi pas. Mais moi, de toute façon, il me fallait une V1 jeudi absolument, parce que vu qu'on monte sur de la semaine, le mieux c'est d'avoir une V1 jeudi, comme ça après on a les retours jeudi-vendredi, et c'est mieux si jamais la personne ne travaille pas le week-end, tu vois. Je lui demande un retour jeudi, j'ai pas de réponse, je l'appelle, j'ai pas de réponse, je lui renvoie un message, toujours pas de réponse, bon je commence à m'inquiéter. Le lendemain, pareil, rien du tout. Donc là, je colle mail, bah, on en parle, et il se trouve que lui essaye de le joindre depuis mercredi, et toujours aucune réponse. Donc bah, on choisit de passer un autre monteur, ce qui nous met quand même pas mal dans la merde, parce que normalement, le montage, on laisse quand même une semaine au monteur, tu vois. Et là, bah, on arrive vendredi, on n'a pas de monteur. Finalement, mail trouve un monteur qui s'appelle Chaplot, qui va finir le montage en 2 jours. Genre vraiment, il va passer son week-end dessus. Ce crack, il le termine en 2 jours. Donc bon, il y a quand même quelques différences par rapport au vlog de base, mais de toute façon, c'est amené à évoluer. Et puis en 2 jours, c'est très bien, quoi. On va pas se plaindre. Donc tout ça pour dire que là, ce vlog-là est monté encore par un autre monteur. Si vous pouviez nous faire des retours, ce serait vraiment parfait, à savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous manque. Par exemple, le dernier montage, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu sur celui-là. Comme ça, on essaie de refaire les choses bien. Maintenant que du coup, moi, je m'occupe plus du montage, peut-être j'aurai plus de temps pour réfléchir au format ou à certaines vannes à faire en vidéo, je sais pas. En tout cas, dites-nous, laissez des commentaires, ça nous aide beaucoup. Moi, personnellement, je lis tous vos commentaires depuis le début des vlogs. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire et je vous répondrai peut-être. C'est plus drôle. Ouais. Après, en vrai, j'ai répondu à plein de gens, donc c'est pas un mensonge. Alors, bah, du coup, moi, c'est Iwen, je travaille avec Julien bah, en tant que bras droit, on peut dire ça comme ça, je pense. Je travaille aussi sur Block Media avec Hugo et Julien, et bientôt, YouTuber, je suis en train de créer ma chaîne. Je sais pas si on verra les petites séquences dans ce vlog. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Quoi ? Comment ça sera cut ? Du coup, qu'est-ce que je fais ? Moi, c'est compliqué à décrire parce que je touche un peu à tout, que ça soit la compta, l'administratif, la pré-production des vidéos, du cadrage, même j'aide bah, du coup sur Block Media, on est en train de faire un studio de création de contenu sur Minecraft. Ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'on peut résumer un peu plus sur du management, mon rôle, et à la fois bah, tout ce qui est la production audiovisuelle. Voilà, ça peut faire un bon petit résumé. Comment j'ai connu Fuse, c'est assez improbable parce qu'à la base j'ai fait un don sur Palladium qui s'appelait l'Assassin Morose et peut-être stressant à faire des sourires sur le côté. En fait le principe que j'ai fait c'était de faire quelque chose assez scénarisé, assez construit et pas juste un simple don et je crois que Julien avait bien aimé, il m'avait proposé de l'aider sur Minecraft Modé et après de l'aider sur d'autres projets de vidéos et après de l'aider pour gérer des projets de vidéos et après pour l'aider pour faire des vidéos IRL et après c'est long mais du coup petit à petit j'ai un peu monté les échelons. Tout est possible. Bon, il y a juste un petit souci avec avec là où je suis là actuellement, c'est que je n'ai plus de setup. Bah, par la logique, je pouvais pas venir avec tout mon setup qui fait au moins 200 kg.
Du coup, atelier achat de matériel, ça picote un petit peu. Là, je me retrouve avec 3000 dollars canadiens. Je crois que ça va faire un petit peu plus de 2000 euros. Combien ? Voilà, c'est le prêt à payer. Bon, sachant que je pense que le PC, je le revendrai derrière en repartant. Donc, c'est cher. C'est très cher. Bon, les gars, aujourd'hui, la mission du jour, c'est trouver un câble. En fait, hier, j'avais mes bails Amazon, là. Grosse problématique, c'est que je me suis fait bloquer mon compte Amazon parce qu'apparemment, je sais pas, commander 3000 euros de matos dans un pays auquel on n'est jamais allé, c'est suspect. À skip. Bon, bah, du coup, là, je vais essayer de voir si je peux trouver un câble pour mon micro que j'ai en urgence. Normalement, je reçois tout demain, mais demain, c'est aussi l'ouverture de la V9 de Palladium, donc faut que je stream. Et je sais pas si mon PC portable est suffisamment puissant, normalement, mais j'aurais préféré quand même avoir un vrai truc, quoi. Mais bon, on va réussir à s'en sortir. Si jamais je reçois tout le matos demain assez tôt, c'est pas mal, parce que bon, il y a quand même livraison instantanée sur Amazon. Sinon, jusqu'ici, putain, je kiffe trop. Hein. C'est trop sympa, Montréal. En tout cas, l'été, l'hiver, j'ai peur. Et encore, peut-être que ça va bien se passer. La Suscorp existe toujours. Il y a même les bureaux à Rennes, ils sont toujours là. La Fuscorp à Paris, elle est toujours là. Ça ne change pas. Il n'y a pas de fermeture ou quoi. Parce que de toute façon, c'est que pour un an. Donc, dans un an, je reviens et j'ai envie de dire business as usual. Mais là, sur cette année, ça va demander des petites pirouettes. Le premier point, c'est qu'on a décidé de faire des batchs d'enregistrement. Pendant que je ne suis pas là, les équipes à Paris, elles travaillent sur la prod. Notamment Soso, qui est passé de la gestion du vlog à la prod. Donc, il prépare toutes les vidéos, les plans de tournage, etc. Ça doit être extrêmement précis parce que à chaque fois, je reviens 2 semaines pour tourner. Mais l'idée, c'est en gros d'arriver, de tourner de façon extrêmement intense pendant 1 semaine et de revenir ici pendant plusieurs mois. Comme ça, ça évite de faire 50 000 allers-retours. Déjà, premièrement, ça pollue. L'avion, on va pas se mentir. C'est un move de sacré privilégié de faire ça, de déménager à l'autre bout du monde, mais en même temps de continuer à faire des tournages en France. C'est pas un truc duquel je suis hyper fier. Je fais tout pour limiter le nombre d'allers-retours. Normalement, je devrais en faire 3 cette année. Mais c'est déjà beaucoup quand même. Bon, le deuxième point, évidemment, c'est que ça coûte cher de faire des allers-retours, et donc l'idée, c'est pas d'en faire toutes les 3 semaines. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui vont s'exiler dans d'autres pays pour des raisons un petit peu plus fiscales. Je reste résident fiscal français, je paye toujours mes impôts en France. Je préfère pré-shot la question avant qu'on me la pose, parce que c'est vrai que ça peut avoir un espèce de visuel comme ça. On doit trouver des sujets et les monter semaine après semaine. Et bien que les sujets ne manquent pas, au bureau, c'est vide. Julien est au Canada, Thomas n'est pas là très souvent, Néo est en distanciel, Zelda on est en vacances, et ensuite il continuera un peu en distanciel avant de revenir. Akizo passait déjà rarement, mais là il est plus très souvent ici. On vous en reparlera plus tard, mais Block Media a pris ses bureaux à part, donc Hugo n'est plus là. Tout comme Aywen qui, bon, lui il passe de temps en temps, mais en ce moment son PC est dead, donc il est jamais là. Bah du coup au final il reste Dandan et moi. Et autant Dandan est drôle, mais ça suffit pas à faire un vlog par semaine juste sur sa gueule et la mienne, quoi. Ça devient un peu complexe. Je vous ai pas fait visiter, du coup mon nouvel appart à Montréal. En vrai, bon, il y a pas grand chose à visiter. Le plus important, c'est le setup qui se trouve juste ici. Non, en vrai, j'étais obligé de refaire tout un setup de zéro parce que forcément, c'était compliqué dans l'avion de ramener tout ce que j'avais à Paris. Donc forcément, c'est un coût qui est associé. J'aime pas dépenser, tu vois. On dirait pas dans les vlogs, mais j'aime pas. Je suis un peu un rat, tu vois. Discret, prudent. Du coup, des fois, je me dis, ok, est-ce que le fait d'acheter ce truc un petit peu plus cher fait que je vais gagner suffisamment de temps, et vu que le temps c'est de l'argent, entrepreneur mindset, à la fin en fait ça vaut le coup. Et c'est vrai que j'ai mis énormément de temps avant d'avoir cette réflexion. Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle journée. Actuellement je suis en plein tournage, d'une vidéo de la chaîne. Voilà, hop. Le problème c'est que je dois partir dans approximativement 1 heure parce que là je vais partir 2-3 jours voir les baleines. C'est-à-dire qu'au nord de Montréal, il y a un truc où on peut voir les baleines. Et je me dis, je serai pas là tant de temps que ça, donc autant faire les trucs un peu touristiques. Oui, attendez-vous à voir vraiment beaucoup de shots où vraiment c'est filmé devant mon ordi, parce que c'est là où je passe 95% de mon temps. Bon, direction la location de voiture. Je sais même pas où c'est. Je suis du père, les gars. Je suis du père.
juste Théma le truc. Genre, tu peux pas avoir un truc plus nord-américain que ça, en fait. Le truc fait genre 12 fois la taille d'une voiture que j'aurais en France. Bon, je vous avoue que en temps normal, ce genre de voyage, je le ferais pas. Mais là, je me force un petit peu à faire des trucs hors de ce que je fais d'habitude parce que je me rends compte en fait que la mentalité de toujours faire des vidéos, toujours bosser, ah là, je peux pas, je dois travailler. En fait, parfois, ça arrive à un point où ça devient contre-productif. Là, du coup, je me retrouve à prendre deux jours et demi off, ce qui est pas rien pour moi. Mais en fait, je me rends compte que parfois, des fois, il y a des journées où je suis censé travailler et juste, je glande, je scrolle, je regarde des vidéos toute la journée parce qu'en fait, j'ai pas de temps de repos, j'ai pas de temps de recharger un petit peu les batteries mentales. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, en fait, je pense aussi pour la majorité des gens, c'est pas tant un problème de temps, en fait, de dire j'ai pas le temps, c'est plus un problème d'énergie mentale, en fait. Et ça, c'est un truc que ça a mis extrêmement longtemps avant de s'en rendre compte. C'est... Il y a un mec qui passe là, il va voir... Je suis en train de me filmer, c'est bizarre. Non, mais c'est un problème vraiment d'énergie mentale, en fait, de faire des vidéos et pas tant un problème de temps. Déjà, je me force à ne plus travailler le dimanche. Alors, évidemment, toujours, j'ai des mails, des trucs, des machins à répondre, mais je me dis pas, ok, je travaille toute la journée. Je me dis, ok, je chill toute la journée ou je fais un truc toute la journée. Et après, s'il y a un truc qui tombe, je le fais. Mais je pars pas dans l'optique, j'organise pas ma semaine de façon à travailler le dimanche. En vrai, ça a quand même des bons effets. Donc voilà, là, deux petits jours de repos, on va voir ce que ça donne. Bon, on s'est arrêté la nuit, genre dans une espèce d'auberge. Avec ça comme vue quand même. J'avoue que c'est stylé, hein. J'avoue que c'est le genre de truc que typiquement en France on n'aurait pas. Et bah là on va aller faire une petite rando. Ce qui est cool dans mon quotidien c'est que chaque jour se ressemble pas. Genre littéralement, là aujourd'hui on fait de la lave, demain je travaillerai peut-être sur des Didier et après-demain peut-être que je ferai un contenu sur JBL, sur Minecraft. Tous des cons. Ils sont sur le côté. Hyper cool. Moi je kiffe l'ambiance au bureau, surtout qu'il y a un gros changement avec les anciens bureaux où en fait il n'y avait pas souvent du monde parce que je sais pas, tout était mal rangé et tout. Et là on a recréé une dynamique avec les nouveaux bureaux et franchement c'est trop cool parce qu'il y a souvent des gens, les gens sont pas là forcément au même endroit mais du coup ça se renouvelle un peu chaque jour. Et avant je venais pas tous les jours au bureau et maintenant je viens avec plaisir. Gros point négatif de tout ça c'est que vu qu'on parle etc, la productivité a peut-être baissé de au moins 30%. Ce qui est pas une bonne chose mais au moins la cohésion a augmenté. Donc faut faire un juste milieu. Je pense que ça va être des semaines extrêmement intéressantes, les semaines où je reviens à Paris, parce que ça sera vraiment hyper intense en termes de tournage. Et à vrai dire, comme je vous l'ai dit plus tôt, là ça va faire déjà plus de un mois que je suis sur place. Et il va falloir que j'apprenne à vlogger moi-même, quoi. Parce que l'avantage à la Corp, c'est que Soso, c'était un petit peu le cadreur, c'était lui qui disait « Ah tiens, tu veux pas faire une séquence pour le vlog, pour ci ou pour ça ?» Donc ce mois-ci, j'ai pu faire quand même quelques petits trucs, parce que l'avantage d'être quand même au Canada, c'est de pouvoir un peu explorer, de pouvoir un petit peu voir la zone. Donc moi là, actuellement je suis à Montréal, qui est la grosse ville québécoise. Donc j'ai pu explorer un petit peu la campagne québécoise, même plutôt la nature québécoise. En vrai les paysages ici c'est vraiment une dinguerie. On a loué une voiture pour partir au nord de Montréal, dans une réserve naturelle qui s'appelle je crois la réserve du Saguenay. Enfin, c'est des vues de zinzin quoi, qu'on n'a pas forcément en Europe. Alors on a des belles vues en Europe, mais là c'est des trucs différents, donc autant en profiter. On a aussi été voir les baleines. Il faut savoir que ici, il y a une petite ville qui s'appelle Tadoussac, qui est la ville des baleines. Donc, on a vu ça aussi. On a vu des baleines à bosse. C'était quand même assez, assez stylé. On est là que pour un an, autant en profiter. Bon, il y a un véritable challenge avec le fait d'être à l'autre bout du monde. J'en ai parlé un petit peu rapidement avant, mais c'est le fait de faire les vlogs. Et pour moi, les vlogs, je vois ça quand même quelque chose qui est vachement orienté business. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est documenter qu'est-ce que c'est, les dessous d'avoir une entreprise en rapport avec YouTube, d'avoir Palladium, d'avoir maintenant Block Media, Sandblox, enfin tous les projets qu'on a déjà plus ou moins abordés dans les derniers mois. Ça a été un gros sujet avec Aywen et Soso, avec qui on est les plus concentrés sur le vlog. Comment est-ce qu'on fait pour parler des sujets qui nous intéressent? Comment est-ce qu'on fait pour vous tenir au courant des projets sur lesquels on travaille, alors que je suis à l'autre bout du monde? Donc il y a quelques pistes qu'on a évoquées, je suis curieux d'avoir votre avis. Moi ce que j'aimais bien dans les vlogs, c'est que vous aviez un peu les discussions en direct, quoi. On parlait d'un projet, Soso il prenait la cam, il venait nous voir, vous voyez le projet, ensuite on débrief sur le projet. Ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va essayer d'enregistrer un petit peu plus les conversations qu'on a ensemble. Et on fait des calls par Discord,
On va essayer de mettre la caméra pour que vous, ayez quelque chose à regarder. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme call qui rentrerait dans les trucs potentiellement enregistrés? Call de lancement de projet, call avec Soso, call marketplace, call avocat, call Fuse Shop, pas mal. Et call créatif. Et associé à un projet précis, tu vois, Fuse Shop précis, machin, etc. Alors que si c'est juste un point général sur ok, comment ça se passe, truc... ça sert à rien, tu vois. Ce que tu faisais, Iwan, c'était pas mal, tu sais, où genre t'es devant le PC et t'expliques à Soso, bon, alors là, on a fait ça, ta. Je pense que c'est des plans qui sont vraiment hyper, hyper importants. Explication d'étapes majeures. Behind the scene de tournage. Dof, on va essayer de le faire venir aussi un peu plus, maintenant qu'il y a peut-être moyen d'avoir une orga un peu plus carrée. Ouais, c'est ce qu'il essaie de faire, il veut vraiment venir plus souvent. Ouais. Même des trucs, genre, je sais pas, genre des trucs perso, tu vois. Enfin, c'était un peu la vocation initiale du vlog, mais c'était, ok, vas-y, bah ce soir, je vais à un concert de trucs. Vas-y, j'irai qu'une séquence et tout, et que c'était un peu le coordination de tous les de toutes les vies des gens de la corp, tu vois. Mais en vrai, personne n'a le temps de vraiment programmer ça et dire ok, on va faire ça. Moi, le souci aussi que je vois, c'est le souci de matériel. En soi, la petite cam Sony, tu l'as pris, Julien, ou elle est encore au bureau? Elle, elle était cool pour le coup. Pour ce genre de séquence, serait parfait. Du coup, ouais, ça. Mais en fait, je pense qu'il en faudrait au moins une à la corp, tu vois. Une caméra à la corp qui est utilisée vraiment pour rec les vlogs, je pense que ça peut être pas mal. Si vous avez des meilleures idées, ou si par exemple vous me dites. Non, en vrai, Fuse, vous embêtez pas à faire ça, juste fais des débriefs en IRL, en facecam, comme ce que tu fais maintenant. Ça me va aussi, j'ai envie de dire. Mais j'aimerais bien que le vlog, ça soit le juste mélange entre mes expériences perso, les expériences des gens de la corp, et le business, et comment est-ce qu'on avance sur les choses. Mais en plus, c'est assez dingue de voir la quantité de gens qui regardent les vlogs, alors qu'en fait, en réalité, vraiment, on suspecterait pas le truc, en fait. Il y a plein de gens qui m'ont contacté par mail, de gens qui me disent « Ah tiens, moi j'ai une entreprise de ça, si tu veux, je peux t'aider là-dessus. Ah tiens, moi j'ai ça comme projet, je pense que tu pourrais peut-être utiliser ça, parce que moi, ça m'a aidé. » Enfin, c'est vraiment une communauté de fous qu'on est en train de créer sur cette chaîne. Meanwhile. Donc là, ça va être le moment où je parle. Alors là, bah, je suis en train de consulter les candidatures de Sandblock Studio. Donc un petit peu tous les pôles, que ce soit graphiste, développeur, builder ou game designer. Et en vrai, bah, y a plein de candidatures super intéressantes. Tous les profils sont vraiment cool et on s'attendait pas à autant de réponses. Mais le profil voilà, qui manque un petit peu en ce moment, c'est le profil de builder. Alors n'hésitez pas, hein, même si vous êtes builder débutant, si vous commencez, si vous n'êtes pas très sûr, bah, n'hésitez pas à postuler. Et ben, je regarderai votre candidature avec plaisir. Tous les liens des formulaires sont dans la description. Du coup, je regarde en fait les vidéos qu'on a produites, mais enfin, je les regarde quand il y a besoin de faire des retours. Donc, quand c'est publié, en général, je les ai déjà vus avant. Et sinon, les vidéos Minecraft, pour le coup, je m'en occupe pas du tout. Et je sais pas, je peut-être manque de temps ou quoi, je regarde pas trop ça. L'avis que j'ai sur les IRL, c'est que des fois, c'est un peu trop cut. Et un peu de ça pourrait être. Julien est beaucoup en mode, faut que la vidéo soit très dynamique, très rythmée, et faut que ça enchaîne, ce qui est cool. Mais des fois, tu sais, c'est cool d'avoir des moments un peu plus longs. Et j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle mode sur YouTube de faire du contenu, tu sais. Maintenant, on est plus habitué à avoir des vidéos 30 minutes, 40 minutes, voire 50 minutes des fois. Sur des exploits du McFly Carlito avant, même AmixM et tout, tu regardes ces vidéos, la longueur est beaucoup plus élevée. Et Julien, il est beaucoup dans ce truc de faire du 10 minutes, du 15 minutes, faut que ça soit cut, faut que ça enchaîne, etc. Et genre, des fois, on a des moments de discussion, on est tous les deux un peu, tu vois, moins, plus décontractés, on n'est pas forcément dans la dynamique et l'objectif de base. Et je trouve que ça rajoute un peu, tu sais, ça casse le rythme, mais d'une bonne manière, où t'es pas tout le temps dans le rush. Et je sais pas, je trouve que ça serait cool de rajouter ce genre de truc. J'aime bien sa vibe où il y a une phase de lui ici que je peux raconter qui monte pas forcément dans ses vidéos, c'est sa vibe entrepreneur, sa vibe lancer des projets, sa vibe vraiment réfléchir à faire les choses bien et genre de manière très intelligente, tu vois, c'est pas juste faire une vidéo pour faire parce que c'est fun, c'est derrière il y a une vraie logique, essayer d'apprendre des choses aux gens, d'essayer de même de créer des projets qui vont répondre à des solutions. Et ça c'est des choses très cool que j'aime beaucoup et qu'il pourrait être amené à montrer un peu plus, bah, c'est ce qu'il fait sur sa chaîne secondaire. Et peut-être du coup dans ses vlogs c'est un truc qui montrera plus. Je sais pas s'il faut se mettre des quotas ou quoi, parce que j'ai juste peur en fait qu'on arrive à des semaines où il y a rien de rec, tu vois. Faut créer une habitude, hein, je pense. Mais en fait faut que ce soit un plaisir, en fait, faut que ce soit un plaisir à rec. Ça sent comme une habitude. Enfin on est les trois à être le plus investi dedans. Du coup, c'est à nous trois de trouver l'habitude de rec et d'essayer de rendre le vlog vraiment habitude et que ça nous fasse plaisir de partager les trucs avec les gens, tu vois. Une mécanique qui marche très bien dans les vlogs, c'est ok, là il y a un truc, c'est une merde, et ça par contre ça vaut le coup de les rec à chaud. Genre putain, là on a un truc, on a un problème qui vient de tomber, là on a reçu un mail de je sais pas quoi, c'est la merde, moment de détresse à chaud. Non mais c'est franchement, objectivement, je pense que c'est les trucs les plus intéressants, tu vois. Il faudrait qu'on ait un board notion où genre quand on pense à un sujet abordé dans les vlogs, on le note, tu vois. Ah bah tiens, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de parler des problèmes qu'on a à la corp, pof, on le met dans le board, tu vois. C'est pas obligé d'être un épisode, mais comme ça on liste tous les trucs auxquels on pense voilà, en deux spies. Et l'idée c'est que voilà, dès qu'on a une petite idée que ah ouais, ça pourrait parler dans le vlog, si on n'a pas le temps de le régler tout de suite, on le met dans le board et on en parlera un moment ou un autre, tu vois.
Je suis un peu curieux d'avoir votre avis sur ce format de vlog. C'est pas le vlog de la qualité supérieure, mais je suis quand même partisan du dicton faire les choses plutôt que de ne pas les faire bien. Genre, c'est-à-dire au lieu de vouloir faire absolument les choses bien et du coup bah, d'être paralysé par le perfectionnisme, faire les choses, elles sont pas bien et tu améliores petit à petit. Et là, ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de vlog, que j'avais pas enregistré de vlog en tout cas. Moi, j'ai vraiment envie que ce vlog-là, on en fasse pendant un an et qu'au bout d'un an, on se pose la question de « Ok, est-ce que c'est pertinent de continuer ?» et de pas faire un truc où on fait trois vlogs et après « Ah, on n'a pas le temps, on fait passer ça sous le tapis et on n'en fait plus. » Non, alors il peut y avoir du temps entre les vlogs, mais on n'arrêtera pas avant d'avoir fait au moins une cinquantaine de vlogs. C'est un gros commitment, mais je pense que c'est en faisant des gros commitments qu'on a des grosses choses. Bon, dans tous les cas, si ce vlog vous a plu, et bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé. D'autant plus que je pense que le prochain vlog, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans deux semaines, il y aura beaucoup de choses à dire. La bise !